Entrez, entrez. Entrez, entrez. Moi, j'aimerais la messe en ré de Beethoven. Moi, j'aimerais de l'accordéon. Ils n'auront pas les mêmes goûts. Dieu soit loué. D'abord, qu'est-ce que vous venez faire ici chez moi? Je vais vous l'expliquer, mais faut pas me parler comme ça, vous savez. Oh, mais non. Vous n'allez pas m'obliger à dire devant tout le monde que vous êtes ma femme. Vos rires sont éloquents, messieurs, mais encore une fois, j'ai besoin de vos réponses individuelles. Êtes-vous tous célibataires? Oh, ben oui, par exemple. Je l'étais au berceau déjà, mon bon monsieur. Et je compte le rester jusqu'à ma mort, incluse. Moi, marié, j'ai eu bien assez de malheur comme ça. Quant à moi, je m'en souviendrai si je l'étais. Divorcé depuis 40 ans. Les femmes des autres m'ont suffi. Fiancé 4 fois. Marié. Pas si bête. Veuf. Veuf. Donc, vous êtes tous célibataires. Eh bien, messieurs, j'ai fondé cet hospice avec l'arrière-pensée de vous faire contracter mariage à tous, précisément. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Pour subvenir à vos besoins. Combien de dames étrangères feraient actuellement de très gros sacrifices pour ne pas quitter la France, à condition pourtant que leur mari soit honoraire? Mes honoraires sont élevés. Fatalement. Peut-être que vous n'avez ici que des vieillards. Et quelles sont les conditions de vente, Oui, oui, oui. C'est la raison pour laquelle je me marie. J'ai cette impression, madame. Je voudrais comme moi, Marie. Un mari? Son mari! Oh! Vieux brigand! Oh, ça ne m'étonne pas avec le caractère que vous avez que vous êtes restée vieille fille. Aussitôt qu'il s'en va, tout me fouille. Mais dès qu'il revient, tout me séduit. Je n'ai qu'un espoir. Inutile de vous dire, s'il avait pu choisir en ce moment, je serais non pas votre mari, mais votre amant, madame. Mais hélas, je n'ai pas eu le choix. C'est d'ailleurs bien extraordinaire quand on y pense. Car enfin, j'ai pu vous épouser sans vous en informer. Et je ne peux pas devenir votre amant sans vous le dire. Vieux menteur que tu es, tiens, rien pour avoir osé le dire. Tiens, voilà pour moi. Clément, vite, c'est juste pour moi. Et puis quoi, je vais me gêner. Non, tu n'oserais pas me le dire à moi, hein, que tu es son mari. Clément, qu'en faites-vous? C'est mon mari. Mais non, madame, mais non, je sais pas ce qu'on a fait croire, madame la comtesse. Mais si, je vous dis que si. Mais moi, je vous dis que non, madame. Ça peut pas être le mari de madame la comtesse, puisque c'est le mien. Qu'est-ce que vous dites? Voyez-vous, la liberté, c'est tellement plus beau que tout ça. Vous savez. Et puis, ne prenez pas en mal ce que je vais dire. Mais que j'ai pour gendre deux sergents de ville, moi, ah, ça c'est pas possible. Comment finit le film? Il finit par un mariage. Il faut que ça finisse bien, n'est-ce pas? Tous les vieux s'en vont, ils quittent l'hospice. Alors, ensemble, l'idée du film? Mais oui, c'est ce qu'ils racontent dans le journal avec, en plus, 1000 détails, naturellement, qu'ils ne connaissent pas.